suite, c'est l'invité de Bonsoir Lyon. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Notre invité ce soir, Marion Maréchal, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans Bonsoir Lyon. Et pour m'accompagner ce mardi, Hugo Frances, bonsoir. Bonsoir Victoria. Chef des informations de BFM Lyon. Marion Maréchal, vous êtes tête de liste Reconquête aux élections européennes et cofondatrice de l'ICEP Lyon, une école de sciences politiques. Tout d'abord, première question, est-ce que vous connaissez le score de Reconquête au second tour des élections législatives en 2022 dans le Rhône? Alors, législative, je ne me souviens plus. En revanche, au présidentiel, Lyon, on est quasiment autour de 8. Donc, score 7,34, prometteur. Ouais, c'est ça. 5,80, cinquième parti politique en 2022. Donc, dans le Rhône, qu'est-ce que vous pensez de ce score? Ah bah moi, ce que je pense, c'est le chemin parcouru. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans que Reconquête existe, dans la foulée, en effet, de l'élection présidentielle. C'est aujourd'hui le 4e parti. Dans les sondages, alors tout est à faire pour cette campagne des européennes, mais les sondages actuels, avant même que nous ayons vraiment commencé à aller sur le terrain, nous donnent entre 7 et 8%, au même niveau que les Verts, que les Républicains, que le LFI, donc des partis qui sont quand même bien installés dans la vie politique. Donc je trouve que c'est très prometteur, et surtout ce qui m'intéresse, moi, c'est de constater qu'aujourd'hui, nous arrivons à porter un message très singulier, qui aujourd'hui n'est porté par personne d'autre, c'est-à-dire à la fois la défense de l'identité, mais aussi la défense des libertés économiques, la lutte contre l'assistanat, la défense du travail, et aussi un engagement très fort contre les propagandes woke et LGBT. Et quand on met tout ça bout à bout, et j'ajouterais même la défense de cette idée de l'alliance des droites, eh bien finalement on se rend compte qu'on parle à beaucoup d'orphelins, notamment à droite. Alors juste pour revenir sur législative sur Lyon, il y a 4 circonscriptions, c'est 5%, donc 5e parti. Est-ce qu'il y a vraiment un public ici à Lyon pour Reconquête? Bah, évidemment, et puis là vous parlez de scores qui sont le début d'une histoire. Rappelons-le quand même, une fois de plus, ça fait 2 ans que nous existons. Maintenant, moi, mon objectif, c'est de prouver justement que Reconquête n'était pas un feu de paille. Il ne l'est pas. Après 2 ans d'existence, il est aujourd'hui installé dans la vie politique. Et je crois aujourd'hui que nous sommes en mesure d'installer une droite authentique que les Républicains ne peuvent plus incarner. Pourquoi? On va prendre un exemple d'actualité qui va toucher directement le président de région, Laurent Wauquiez, mais aussi et surtout l'un de ses premiers adjoints. Je pense au maire de Valence. Vous savez qu'il est la rentrée des jeunes Républicains a eu lieu à Valence ces derniers jours. Or, le maire de Valence s'est distingué ces derniers mois pour un certain nombre d'accointances avec les frères musulmans, c'est-à-dire les islamistes. Je ne vais pas revenir sur le détail. Il a tenté de vendre notamment un terrain à une association proche des frères musulmans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces ambiguïtés, les Français n'en veulent plus et que ils vont donc naturellement se tourner vers un nouveau parti qui est en mesure de leur apporter cette crédibilité, cette cohérence. On retourne à Lyon, si vous le voulez bien. Vous êtes également cofondatrice de l'ICEP Lyon, école de sciences politiques. Pourquoi vous êtes venue à Lyon? Vous êtes en mission Reconquête? Je suis en mission Reconquête. Alors déjà pour, à travers vous, et je vous en remercie, parler à toutes les régions et à tous les Français, leur faire donc part de cet enjeu pour les élections européennes qui est très important, puisque nous avons l'opportunité historique, il faut quand même insister dessus, de pouvoir changer la majorité actuelle du Parlement européen. Aujourd'hui, rappelons-le, tenu par le centre, allié avec les macronistes, allié à la gauche, groupe majoritaire dans lequel se trouvent d'ailleurs les LR, et qui a porté à la présidence de la Commission Ursula von der Leyen. Et donc aujourd'hui, tout prouve que nous pouvons changer de dynamique et recomposer cette majorité autour d'une droite authentique. Et donc ce que j'ai envie de dire, c'est de faire comprendre le plus en amont possible que nous pouvons participer à ce changement. Et c'est l'objet de ma venue ici. Je vais également rencontrer les cadres de Reconquête. Et puis je trouve qu'il y a une valeur, on va dire, assez symbolique à venir à Lyon en particulier, parce que le maire aujourd'hui et la politique menée par le maire écologiste est l'incarnation de tout ce que je combats. Ouais, mais juste sur les européennes, vous êtes tête de liste donc pour Reconquête. Est-ce que vous sentez que c'est un sujet qui intéresse? On rappelle quand même que c'est une des élections auxquelles les Français s'intéressent le moins, qui est la moins suivie et sur laquelle la participation est aussi assez faible. C'est aussi l'une de nos missions, c'est d'intéresser bien sûr les Français à cette élection et leur faire mesurer l'enjeu, le poids aujourd'hui qu'a l'Union européenne sur nos vies et surtout le poids qu'elle pourrait avoir de façon positive sur un certain nombre de sujets qu'elle n'a pas aujourd'hui. Maintenant, ce qui est vrai, on n'est pas aidé par la vie politique actuelle parce que beaucoup aujourd'hui ont les yeux tournés vers 2027. Même le ministre de l'Intérieur passe plus de temps aujourd'hui à préparer sa candidature à la présidentielle qu'à gérer son terrible bilan en matière d'insécurité. Donc c'est vrai qu'il ne faudrait pas sauter les étapes, mais moi je pense en effet que les Français vont s'intéresser dans les mois à venir à cette élection. En parlant d'élection, justement, vous voulez construire une nouvelle force de droite. Laurent Wauquiez, président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est fait remarquer en annonçant ce week-end vouloir sortir du dispositif ZAN, zéro artificialisation nette. Qu'est-ce que
vous en pensez? Est-ce que ça peut être un bon allié pour vous? Je pense qu'il a raison sur la critique de ce dispositif qui manque terriblement de souplesse. Voilà. Il est vrai que si on peut trouver l'objectif louable dans les métropoles et les grandes périphéries urbaines, de limiter l'urbanisation galopante avec toutes les conséquences que ça peut avoir, il me semble que tout ne peut pas s'appliquer dans les mêmes proportions, notamment dans les départements ruraux, surtout quand on défend l'idée à laquelle je suis très attaché, moi, de revigorer la France des villes moyennes. Donc si on veut revigorer la France des villes moyennes, ça veut dire aussi la périphérie des villes moyennes, donc aussi les zones rurales, et donc il faut pouvoir s'autoriser... Est-ce que c'est pas un peu démago quand même de vouloir sortir de cette ZAN? Non, je crois pas. Je pense que pour le coup, une fois de plus, alors sur le plan légal, manifestement, ça n'est pas possible. Mmh. Mais en tout cas, sur la critique en tant que telle, elle est légitime et je la partage. Maintenant, en ce qui concerne Laurent Wauquiez, bien sûr qu'il y a des convergences, comme avec un certain nombre de Républicains. J'en cite régulièrement. Je pense qu'est-ce à Nadine Morano, je pense à François-Xavier Bellamy. Mais il y a aussi, une fois de plus, des ambiguïtés. Je vous ai parlé de son travail avec le maire de Valence et je veux aussi leur ambiguïté au niveau européen. Je vous l'ai dit, ils participent d'une majorité qui travaille avec les macronistes, les Verts, les socialistes, une majorité qui a porté Ursula von der Leyen qui elle-même finance des associations des frères musulmans, je pense aux 28 000 euros qui ont été donnés à l'association Alfanar. Donc quand on met tout bout à bout, c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on n'est pas encore complètement sorti de l'incohérence. Mais sur cette zéro artificialisation nette, est-ce qu'on peut dire qu'il fait de la désobéissance civile en voulant sortir, en sortant la région du dispositif? Je ne sais pas jusqu'où il veut aller. Je ne suis même pas sûr qu'une fois de plus, légalement, techniquement, ce soit possible. Je ne sais pas où va son signal. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que moi, je suis, pour le coup, pour le respect de la loi. Je peux vouloir combattre et changer la loi et considérer qu'elle est mauvaise. Mais il faut quand même, dans le cadre des institutions, respecter la loi. Mais j'ai cru comprendre que c'était plutôt un signal et l'occasion de provoquer le débat. Bon, en tout cas, il dénonce les diktats verts et écolos. Vous, justement, quel regard vous portez un peu sur la politique qui est menée par les écologistes à Lyon? Un regard désespéré, j'ai mal pour les Lyonnais. Honnêtement, quand on cumule, c'est un gorafi géant, hein, pardon pour l'expression, mais quand on voit aujourd'hui l'accumulation des petites polémiques entre le fait de dégenrer les cours de récréation, le fait de refuser le Tour de France trop machiste et trop polluant, le fait de refuser à la patrouille de France de survoler la ville, le fait, une fois de plus, terrible incohérence de refuser d'aller au cheveu des échevins et dans le même temps d'aller inaugurer une mosquée. On voit bien que ces gens passent plus de temps à faire des polémique en combattant l'identité et la culture française qu'en défendant véritablement l'écologie. Bon, après, ça, c'est peut-être les polémiques qui sont instrumentalisées par les oppositions sur la politique globale. Par exemple, les voies cyclables. Il y a de quoi en parler et en rigoler quand même, pardonnez-moi. Et puis, ils ont à la tête de leur mouvement une certaine Sandrine Rousseau qui a quand même fait de la bêtise son fonds de commerce politique. Donc, c'est affligeant. Mais là où j'ai envie quand même d'alerter, c'est que ces personnes dont on aurait ri il y a encore 10 ou 15 ans, dont on n'aurait jamais imaginé qu'elles puissent aujourd'hui avoir une importance politique aussi importante, si nous ne sommes pas vigilants, ces personnes-là, demain, pourraient arriver aux affaires. Et donc, c'est là où arrive quelque chose qui me tient, moi, beaucoup à cœur, la question de l'alliance des droites. Et cette idée que je continuerai de porter, et que je porte depuis toujours, d'ailleurs... Donc, que on fait rien pour l'écologie. Parti... Non, c'est pas du tout ce que je dis. Non, mais pardon, mais c'est pas de l'écologie, là. Excusez-moi, mais enfin, tous les sujets dont je vous ai parlé... Les sujets que vous traitez, c'est des sujets un peu annexes. Mais c'est des sujets sur lesquels ils se font mousser depuis leur arrivée, qui leur prennent manifestement beaucoup de temps. Ce que je veux dire, c'est que... Je finis juste ce raisonnement et je vous réponds sur l'écologie. Je pense que aujourd'hui la leçon à tirer, c'est qu'aucun parti ne peut gagner seul. Et donc j'espère que pour contrer la montée de cette gauche dangereuse, nous serons capables un jour de nous mettre autour de la table, avec des LR notamment et avec des gens du RN. Donc sur l'écologie? Maintenant, sur l'écologie... J'ai l'impression que c'est pas la priorité de Reconquête. Non, quoi. Mais j'ai pas du tout, moi, la même vision, évidemment, des Verts qui sont des... Je sais pas, des fous furieux sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils veulent réglementer à outrance au point de mettre en difficulté d'ailleurs notre économie et notre industrie, sans d'ailleurs jamais remettre en cause l'ouverture totale des marchés qui ne nous permet pas évidemment de rester compétitifs. Mais au-delà de ça, même la vision écologique du gouvernement m'apparaît partiel et partiel. Mais ça vous interpelle pas les changements climatiques auxquels les Français... J'ai juste pas du tout la même vision. C'est-à-dire que concrètement, je vais vous donner deux exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une planification écologique qui est prévue, très bien, mais c'est dommage que dans cette planification, on ne soit que dans la logique de réduction de CO2, alors que la France est déjà, rappelons-le, quand même très vertueuse sur le sujet, et que dans le même temps, la Chine continue d'ouvrir des centrales à charbon, donc le sujet va quand même être compliqué à endiguer à notre seul niveau, et qu'on ne pense pas du tout à l'adaptation. Aujourd'hui, de
fait, il y a un réchauffement climatique, tout le monde le constate, personne ne le conteste sur le plan scientifique. On n'est pas capable de savoir exactement dans quelle mesure il va s'aggraver ou se contenir. En tout cas, il existe. Donc pensons aussi à l'adaptation de notre économie, l'adaptation de notre agriculture. Bah, concrètement, aujourd'hui, vous avez des filières agricoles qui vont devoir s'adapter et changer, parce qu'avec le réchauffement, je pense notamment à la viticulture, dans certaines régions, évidemment, ils ne pourront pas cultiver de la même manière. Et donc ça, je trouve qu'il y a un manque d'anticipation. Un deuxième exemple, moi je ne suis pas dans l'absolu contre la voiture électrique, mais je suis contre le toute voiture électrique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aujourd'hui que nous allons vers une dépendance minière à la place d'une dépendance pétrolière, qui est un vrai danger pour notre souveraineté, hein, parce qu'aujourd'hui, les pays qui sont les producteurs de lithium, de cobalt... Bon, vous dites que c'est pas la priorité, globalement. Ah bah oui, mais vous me lancez sur le sujet, donc je suis désolée, mais c'est le sujet... Non, mais pourquoi, en fait, on en arrive au sujet... En fait, ce sont des sujets techniques. Voilà, c'est ça le problème. Ce sont pas des sujets idéologiques. Oui, mais végétaliser la ville, mettre des voies cyclables, ça, c'est des sujets Non, mais vous êtes venu à vélo dans notre studio, comment vous êtes venu? Non, je suis venu à pied, parce que j'étais à l'ICEP, donc j'étais pas très loin. C'est pas très loin. Mais tout ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que l'écologie, ça s'adapte avec le reste. Ça veut dire que l'écologie, elle se pense avec le reste de l'économie. Elle ne peut pas se construire contre l'économie. Et c'est malheureusement aujourd'hui ce qui est fait dans ces villes. Juste peut-être une dernière question, parce qu'on parlait de priorité. Juste, vous, la lutte contre les groupuscules d'extrême droite dans le Vieux-Lyon, vous diriez que ça en est une? On se souvient que Gérald Darmanin disait en juin que l'organisation des remparts méritait d'être dissoute. Je trouve cette tentative de faire exister artificiellement une menace d'extrême droite dans notre pays ridicule. Voilà. La menace d'extrême droite dans notre pays, statistiquement, elle n'existe pas. Voilà. Ce qui existe, en revanche, c'est les homicides, c'est le trafic de drogue, c'est les viols par des clandestins, c'est l'explosion des cambriolages, c'est l'explosion d'ailleurs de la violence et des vols dans les zones rurales. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on détourne le sujet sur des choses qui statistiquement n'existent pas, mais honnêtement, ça devient 20% ridicule. D'après un rapport de la DGSI. Oui, non, mais c'est merci à tous les deux. Non, en revanche, c'est 40% de la délinquance à Lyon issue de l'immigration et de la délinquance étrangère. Merci Hugo, merci Marion Maréchal d'avoir répondu à nos questions sur BFM Lyon ce mardi, tête de liste Reconquête aux élections européennes et cofondatrice de l'ICEP Lyon.